Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle aventure horrifique, évidemment. Comme d'habitude, 4K, 60 FPS, on va se retrouver pour des épisodes insane, évidemment, de 30 minutes minimum. Prenez toujours un petit truc à boire et à manger. Et surtout, plongez-vous dans le noir. Il est conseillé d'avoir un casque ou des écouteurs pour toute aventure horrifique, évidemment. C'est parti, nouvelle expérience. Bienvenue dans l'épisode 1 de Calypso Protocol. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Ça fait extrêmement plaisir et ça soutient. C'est parti. Bien reçu, contrôle. Je maintiens le cap sur la station Europe. T'as un truc à dire ou tu vas jouer avec ce truc toute la journée? Je regardais ça. C'est notre dernière mission, Max. Et la discussion s'arrête là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Merci, peut-être. Parce qu'après ce boulot, on n'aura plus jamais à travailler de notre vie. T'as tout prévu, à ce que je vois. Ouais, faut croire. Mais c'est quoi, ça? Hein? Tous ces allers-retours de Callisto à Europe et la sécurité supplémentaire? C'est l'une prison, Max. La sécurité, c'est leur boulot. Et les attaques, hein? Comment t'expliques ça? Par la voie extérieure? Mais ça fait 6 mois qu'ils attaquent des cibles dans tout le secteur. J'ai une alerte jaune dans la soute. Ouais, c'est sûrement rien. On devrait quand même vérifier. Tu devrais pas t'inquiéter autant. Tu vivras plus vieux. Ok. Capteur à bâbord et à tribord montrent tous les deux des erreurs. Va les vérifier. J'y vais. Vous l'aurez compris, les objets de contrebande de valeur peuvent être revendus. Ce sont donc les créateurs de Dead Space, évidemment, qui ont fait ce jeu. Ce n'est plus sous EA. Et donc, c'est un gameplay très Dead Space, donc hâte de voir honnêtement ce que ça va donner, sachant que ça peut être assez terrible en termes de screamer et tutti quanti. Nouvel enregistrement automatisé. Alors, appuyez sur la touche O pour ouvrir l'inventaire, appuyez sur la touche R1 pour sélectionner le menu des données, et appuyez sur la touche croix pour les lire, et bah écoutez, bah, on va lire pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe. C'est parti. Alors, c'est normalement ceci, let's go. Ah d'accord, je me disais le son était très très bas, mais c'est parce qu'en fait il sortait de la manette. On va essayer de changer tout ça à l'avenir pour pas que ça se reproduise et que ça sorte tout simplement directement à la télé. Ça sera beaucoup plus agréable. Allez mec, va jeter un œil. Écoutez, le jeu pour l'instant, et il est plutôt beau, hein. Ça a de la gueule. Hein. Ok, là on peut rien ouvrir.
Je suppose que ce n'est pas ma chambre. Pour l'instant, je ne sais pas si j'ai encore une touche pour courir. Les toilettes, avec un système un peu duvé pour voir s'il reste des traces. C'est pas con. Il faut y penser, je pense, pour les prochains. Ok. Qu'avons-nous là? Ok, c'est donc là, la soute, où apparemment, il y a eu une alerte, peut-être une intrusion, je ne sais pas. Ça sent l'alien, tout ça. Ok, on peut partir par la gauche, très bien. Pour l'instant, on n'a pas d'autre tuto, on ne sait pas courir, on ne sait pas, on n'a pas d'armes, on n'a rien. Si j'appuie sur viser, bah ça zoom. Sérieux, Max, tu dois les empiler comme il faut. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ça a intérêt à valoir le coup. D'accord, c'est quelque faut chose que vérifie le reste du vaisseau. Train d'atterrissage. On va aller checker. Ça sent pas bon. Oh lolo. Alors les trucs comme ça, c'est typique alien. C'est assez terrible. Par contre. Oh. Ok. Par contre. Foiré. Eh, c'est propre de ouf, hein, le jeu. Hein. Il est propre de ouf. Hein. Aucun souci ici. Je devrais aller voir l'autre côté. Ok. Bien, je suppose que c'est pour franchir ceci. Ok. Oh, je sens que ça va être un jeu avec une ambiance assez. Oh là, ouais, d'accord. Max, on a un problème. Ça va être assez terrible ce qui va se passer, je pense. On a été abordé. Ouais, j'imagine. Retourner au cockpit. On a été attaqué de l'extérieur. Mais c'est quoi? C'est pas un humain qui a fait ça? Ça peut être un humain. C'est forcément. Trouvez la case. Il doit être quelque part par ici. C'est des humains. Totalement des humains. What the fuck? On est des contrebandiers, non? Ok, ça me. Il y avait une sorte de télé-réalité, un petit peu des caméras de surveillance qui filmaient une femme qui s'est fait attaquer. Le champ d'atténuation est encore actif. À Europe. Plus pour longtemps. Et là, on est dans un vaisseau qui s'appelle Callisto. Comment tu veux que je le sache? Quelque chose? Rien pour le moment. On a presque plus le temps. Ok, pour l'instant, je me pose 4 milliards de questions, hein, sachez-le. Ils sont 3 minimum. Et voilà! Arrêtez-le! Il se dirige vers le pont. Laisse-moi entrer! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Non, merde! Accroche-toi, j'arrive! Ok, on va essayer de monter. Attention, ventilation de l'atmosphère. Ça va être la merde, hein, c'est pour tout ça. Oh non, je suis mort. Je crois que je suis comme le riche futu, les gars. Ouais, attends frérot, j'essaye de faire des efforts, je t'assure. C'est pas facile. Normalement, il n'y a pas d'oxygène, je sais même pas comment on respire. On est pris dans la gravité de la lune. Allez. Transfère les commandes de vol à ma station. Transfère les contrôles de vol. Mayday. Ici, UJC Charon de retour sur Callisto. Autorisation d'urgence. Négatif, UJC Charon. Vous n'êtes pas autorisé à approcher. Désolé, mais j'ai pas le choix. On arrive trop vite. Booste les antigraves. Ils sont au maximum. On va pas y arriver. Bien sûr que si. Attention. Accroche-toi. Prépare-toi à l'impact.
inquiéter. Max. 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 Tiens bon, mon vieux, j'arrive. Hey. Jacob. Jacob. Pourquoi tu m'as pas écouté? Allez. Ah. On va vous sortir de là. Le manifeste dit que vous preniez des marchandises du hangar. On n'a pas beaucoup de freelance par ici. Je fais que mon boulot. C'est sûr. Régulateur thermique activé. C'est le premier vaisseau que je perds. On a été abordé par... Lâche-moi ! Calme-toi un peu, le pilote. Fais ton travail. Laisse-moi faire le mien, d'accord? Monsieur? Oui, monsieur. D'accord, entendu. Prends-le aussi. Hey, vous faites quoi, là? Hey! J'ai rien fait du tout! Ok, c'était donc l'intro The Callisto Protocol. C'est parti pour l'épisode 1. Ça risque de swinguer, je vous le dis. Qu'est-ce que tu regardes, putain? Silence. Il est bien trop tard pour ça. D'accord, les détenus ne parlent pas, à moins qu'on leur adresse... Attendez, c'est une erreur. Je m'appelle Jacob Lee. Je suis pas un prisonnier. Les détenus... 532-521. Et tu t'adresseras à moi en tant que capitaine Ferris. Non. Je suis qu'un pilote de cargo. J'ai été attaqué par la voie extérieure. C'est elle! Elle a fait écraser mon vaisseau et tuer mon premier lieutenant. Je suis sûr que le directeur est impatient d'entendre tout ça. Ah. Quand on parle du loup... Le choix. Chaque choix dans votre vie vous a mené ici. À ce moment. À cet endroit. Le seul endroit auquel vous appartenez vraiment. Pour trouver la seule chose qui a toujours manqué. Un but à votre vie dénuée de sens. Je suis le directeur Cole. Et ensemble, nous trouverons ce dessin. Bienvenue à la prison de Black Iron. J'adore la dernière partie. Ça me donne des frissons à chaque fois. Terminus, debout. Détenu. Je vous ai donné un ordre direct. C'est une erreur, j'ai rien à faire ici. Écoute. Tu sais qu'on appelle Callisto la lune morte. Morte. Tout comme tu l'aurais été si je t'avais pas sorti de cette épave. Je veux dire merde, pour les autres, t'es mort. Il est temps que tu passes à autre chose. Parce que tu entres dans un nouveau royaume. Alors attendez. Attendez, on va retirer le qui parle. Je pense que ça sert à rien, faut pas abuser. Non. Le côté jaune, ça cache un peu le... Mon royaume. Non. Alors tout ce à quoi tu t'accroches, c'est ton ancienne vie. Tu dois l'oublier, parce que ta nouvelle vie est entièrement entre mes mains. Alors lève-toi, défunt.
Ok. Prends-la. Et allons-y. Vous entrez dans la prison de Black Iron, une division des établissements pénitentiaires de l'UJC. Passez immédiatement au traitement des nouveaux détenus. Hé ! Arrêtez ! Hé ! Attendez ! Non ! Non ! Vous pouvez pas ! Détenu 532-521. Je suis le docteur Kathleen Malheur. Et selon l'article 412 du code pénal de l'UJC, vous allez être équipé du corps. Il n'est pas enregistré, docteur. On ne sait pas. Préparez-moi l'appareil. Quel appareil ? Cet appareil ? Vous êtes un putain de docteur ! Oui, et j'ai bien l'intention de m'acquitter de mes responsabilités. Ne bougez pas, ça ne fera qu'empirer les choses. Allez vous faire foutre ! Il est en arrêt cardiaque. Injecteur. Explorer la cellule, bon ça va être très rapide j'ai envie de vous dire, on sait pas ce qu'on fait là, pourquoi on est fait prisonnier alors qu'on est à la base juste pilote de cargo, ça sent pas bon toute cette histoire, peut-être un coup de l'état hein, je vous le dis, hein. Explorer la cellule, bah y a rien, oh si y a un cube au sol, ah on l'avait déjà vu ce cube violet. Mais les gars, ok. Attention. Faut prévenir, hein. Le personnel de sécurité n'est requis au bloc cellulaire principal. Ceci n'est pas un exercice. Gardez votre calme. Il n'y a rien à craindre. C'est quoi ce bordel ? Il y a un truc qui cloche. Ok, on est sorti au calme de la cellule. Bon, ça se voit que c'est très Dead Space, évidemment, avec la barre de vie collée à l'arrière. Il y a un corps qui vient... Ok, l'homme qui tombe à pic. Il y a un cadavre qui vient de tomber. La prison, elle est littéralement saccagée. Ok, ok. J'ai hâte de savoir déjà ce qu'on fait là. Et pourquoi on a été mis ici. Ah oui, c'est L1 pour courir. J'avais oublié la douche. Ok. Il a pris sa mère. Excusez-moi de l'expression. Je rappelle que c'est un jeu interdit au moins de 18. Faites attention si vous êtes mineur. Évitez de regarder cette vidéo. Même si vous ne m'écouterez pas. Ça va ? T'es en train de dégueuler, quand même. Ça sent pas bon pour. Ça sent pas bon pour ton avenir. Ici, on peut pas passer. Superbe. On a quoi en bas ? Mais qu'est-ce qui se passe, mon gars ? Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Je sais pas ce qui se passe. Mon vaisseau s'est écrasé. Et on m'a jeté ici. Et puis je me suis réveillé pour voir ça. Écoute, t'es un pilote, pas vrai ? Ouais. J'ai passé la moitié de ma vie ici, je connais cet endroit. J'ai un plan pour me tirer. Si tu m'aides à sortir d'ici, je t'aiderai, ok ? Tu peux utiliser ça pour entrer dans la salle de contrôle de l'autre côté du pont. Tu peux ouvrir ma cellule de là-bas. Au fait, moi, c'est Elias. Jacob. Le père pas Jacob. Ça pourrait te sauver la vie. Ok. Plan désespéré. Ok, un surin. Oh putain, le retour des surins, les amis. Le retour des surins, ça en dit sûrement très très long. Ok. Alors, le jeu est particulièrement gore, je préfère vous prévenir. Donc, si vous êtes sensible à ça, faites attention parce que je peux vous dire qu'il va y avoir énormément de démembrements. D'accord ? C'est très important de le signaler. Je pense que vous l'avez compris déjà à travers quelques plans qu'on a pu visionner.
Donc si vous êtes pas fan de démembrement, évitez de... Tu vois. Surtout que c'est pas comme si vous alliez voir ça en 4K 60fps. Avec une qualité incroyable et irréprochable pour ne pas louper une goutte de sang. Ok, là y'a rien. J'essaye de tout fouiller au cas où. Donc on va passer par, par le seul chemin possible. Cette petite plateforme. Voilà, c'est pas du God of War. Hein. Je peux vous dire que ça va swinguer. Ok. Alors, je rappelle que le jeu vient tout juste de sortir. Il n'y a pas le patch Day One encore. Donc, il y a des désynchronisations labiales quand ça parle. C'est normal, pas de panique, évidemment. Pas de panique. J'en mets un autre. Ok. D'accord. Il y a un système d'esquive, alors j'espère qu'ils l'indiqueront, parce que sinon c'est dur de savoir. Ok. Ok, attaque de Ménière 2. Oh bah toi, hop, okay. Oh, toi tu prends pour tout le monde. Ah! Ok, ok! C'était toi ou moi? Toi ou moi? Ok, quand je vous dis. Je vous l'avais dit hein, pour le démembrement! Ok? C'est quoi cette bête, frère? Ça, c'est. Je sais pas comment esquiver! Une égratignure. Très bien. Putain, c'était quoi ça? J'en sais rien, peut-être le troisième vaccin? Quelqu'un qui l'a pas bien pris, apparemment? Ok. Bon bah écoutez, ça a l'air de s'évader. On va retirer. On va retrouver, pardon. Comment il s'appelait déjà? J'ai oublié son blaze. Elias! Évitez les attaques de mêlée! Maintenez le joystick gauche vers la gauche ou la droite. Avant que l'ennemi n'attaque pour l'esquiver. Il n'y a pas de fenêtre de temps. Il suffit de maintenir le joystick gauche ou droite avant que l'ennemi ne vous frappe. D'accord. Pour esquiver une attaque de mêlée, maintenez le joystick dans une direction avant que l'ennemi n'attaque. Puis changez pour tenir le joystick gauche dans l'autre direction en alternant. N'esquivez jamais dans la même direction plus d'une fois ou la séquence échouera. Waouh ! Ok, c'est la première fois qu'on voit ce système de gameplay. D'accord, waouh. Ça va être particulier. Ça va être particulier. Ça peut ne pas être dégueu. À voir ce que ça va donner. D'accord, donc en fait, il n'y a pas vraiment de fenêtre de timing. Si tu esquives à gauche, tu peux pas esquiver deux fois de suite à gauche. Là-bas, j'ai vu quelque chose. Ça m'a attaqué. Ça avait pas l'air humain. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais ce que j'ai vu. Cet endroit peut vraiment te rendre dingue, mais on a une chance. Quoi que t'aies vu, c'est une raison de plus pour foutre le camp d'ici. Tu vois la tour de garde? Ouais. C'est notre premier arrêt. Retrouve-moi là-bas. Comment? L'ascenseur est de ce côté. Prends-le jusqu'au niveau suivant. Je te recontacte. Compris. Ok. Ok, j'ai envie de refaire un fight là. J'ai envie de voir un peu comment ça fonctionne. Parce que là, j'avoue, j'ai beaucoup de questions sur le. L'esquive. Ok. Ok. Hop! Hop! Oh là là! Yes! Let's go! Oh non, j'avais oublié que j'avais esquivé à droite. Très bien. Let's go, je commence à comprendre. Par contre, niveau vie, c'est la crise. Après avoir vaincu un ennemi, appuyez sur la touche triangle pour le piétiner et faire apparaître des objets. Ramassez tous les objets au sol. What the fuck? Ok. D'accord. Ça m'a donné de la santé. Waouh. Ça va être. Ouais. Va falloir un petit peu de training, je vous le dis. Hein. Ok, let's go. Oui. Mais comment? Alors attendez. Hop, ça, je suis désolé, on va faire quelques petits tours au début. Mais alors l'audio, les gars. L'audio par la manette, c'est télé, hein. Superbe, il y a une option. Oh, merci beaucoup.
comprends des trucs quand t'es ici depuis aussi longtemps que moi. Super. Ah, je vois que t'arrives à mon charge. Descends et trouve l'ascenseur à ce niveau. Ok. Ok, let's go. Fight suivant, je suppose. Du mort ici, hein. Et là, ça, je connais, c'est pas très... Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ok. Hop. Oh là là. Oh, 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 oh. Oh, ce coup dans les chicos. Ok, on peut vraiment mettre des coups n'importe où au sol, ça c'est plutôt cool. Il y aura sûrement des cadavres. C'est quoi? Un injecteur de santé, c'est bon ça. Rechercher les boîtes muraux qui contiennent un injecteur de santé. Les ennemis peuvent laisser tomber des injecteurs de santé et vous pouvez également en trouver dans des caisses. Appuyez sur la touche du bas pour l'utiliser rapidement. Ils reconstituent la santé, mais ils sont à utiliser avec précaution car vous pouvez être attaqué pendant l'injection. Les injecteurs de santé peuvent également être utilisés sur l'écran d'inventaire. Ok, donc on peut très bien remettre sa santé et se faire attaquer, vous l'aurez compris. Attention, attention, attention. Désolé frérot. Fallait que j'essaie un peu. Ok. Là c'est verrouillé. Et si on fait ça, c'est-à-dire mettre son doigt dessus, c'est déverrouillé. C'est une technique que j'ai appris chez les plus grands informaticiens à mon voyage à Hong Kong. Elias, il y a un problème avec l'ascenseur. Je descends au lieu de monter. Merde, ça veut dire que tu te diriges vers le mitard. Ah. Tu peux toujours atteindre la tour de garde. Ok, ce corps il va tomber. Hein. Dans tout bon. Voilà, oui, il va disparaître évidemment. Dans tout bon. Jeu d'horreur, c'est un classique. Le corps qui pendouille et qui saigne, tout frais. Ok. On va essayer d'avancer. Jagger. Quoi? J'ai entendu Jacob. Non, suis-je fou? Un convertisseur d'énergie. J'ai juré, j'ai entendu mon blast là, les gars. Non, c'était bizarre. Ok. Ok. Je prends un petit peu de crédit, les gars. Je sais pas encore à quoi sert l'argent pour le coup. On va découvrir ça tous ensemble. Je me faufile. Non, c'est pas possible qu'il y ait rien. C'est pas possible. J'ai eu l'intelligence de me faufiler, c'est pas possible qu'il n'y ait rien. Il y a rien. La caméra m'a fait stresser, frère. Ok, on trace. Bon, pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Sors de moi. Ah! Fils de pute. Mais quel abruti. Attends, attends. Et donne un truc, toi. Sale rave. Quoi? Attends, il regarde là-bas. Il se passe quoi? Bizarre l'ambiance! Bizarre! Ok. 17 crédits, très bien. Là, il n'y a que dalle. Il y a le retournement rapide.
Non, y a pas. J'ai essayé un petit peu toutes les touches, quoique. Non, y a pas. Ok, porte suivante. Très bien. Sors de deux. Oh putain! Un de mes potes! Je le connaissais depuis des lustres. Il était transformé en ce truc. Ah! Oh! Ça sort d'où ça? Non, mais... J'ai dû le défendre. Descendre ce truc. C'est quoi ce bordel? Ok. Qu'est-ce que c'est? C'était quoi ce truc là? Une sorte de sangsue. Oh, ça me suçait, ça me suçait. Ok. Ok, attends. Y'a plus rien là-haut. Quand on donne 50 crédits, c'est qu'on va avoir la boutique bientôt. Je pense. Let's go pour la suite, les amis. On prend cet ascenseur, direction la tour, et on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que ce premier épisode vous a plu. C'est quoi ce bruit, frère? Partout. Elias, j'ai trouvé l'ascenseur. Je remonte. Bien. On finira par s'en sortir malgré les détours. Il y a une armurerie juste après l'infirmerie. Ah. Un bon endroit pour s'équiper. Mais tu vas devoir faire gaffe. Les unités de sécurité sont de nouveau en ligne. Non mais les gars, comment en une nuit ça peut être autant le bordel? Et autant de sang partout. Et genre j'ai été réveillé que maintenant. Oh merde! Non! Vite! T'as là! On n'est pas infecté! La force létale a été autorisée! Non! Zone sécurisée, déploiement vers le secteur médical. Oh non, il va y avoir de l'infiltration avec ça. Oh, c'est un mélange de Dead Space. Enfin, c'est les unités, c'est... Oh là là! C'est un mélange de Dead Space et Alien. Oh non! Oh non, Alien, mon seul point faible! Elias, ils peuvent pas nous détecter. Les systèmes de la prison sont en train de tomber en rade comme l'ascenseur là-bas. Reste en dehors de leur ligne de mire et ça devrait aller. J'ai fait un petit 360 noscope, ça c'était pour me faire plaisir. Ok. Threat condition elevated. Je peux y aller ? Ils doivent pas me voir. Ouais, ça, j'ai bien saisi. Oh là là. Oh là là, l'angoisse. On sait pas avoir la gueule pâteuse aussi vite. Putain, si on suit le man, ne pas se faire repérer. Ah. Eh ben écoutez, je pense qu'on va bien fêter Noël là, sur la chaîne. Avec ce jeu, n'est-ce pas? Ça, c'est pas mal, ça. On s'injecte ça au max. Super.
Super, il m'en reste en plus. On dirait que j'ai le champ libre. Ok. Bon, j'ai essayé de checker, il n'y a pas grand chose. Si, 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 il y a quelque chose. Ok. Il y avait une porte aussi derrière, donc là j'avoue je n'ai pas trop la direction à prendre. Il y a des casiers. J'aurais pu ne pas les prendre, très bien ça. Très bien ça. Des crédits Callisto. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Investir. C'est pour se changer. On dirait que je suis débile quand je découvre un jeu, c'est incroyable. C'est incroyable ça. Ok, des crédits. C'est toujours pas à quoi ça sert, mais bon, j'ai hâte de découvrir. Je crois que j'ai découvert une planque incroyable là, non? Lui s'est fait éclater la gueule déjà. Hein. En vrai, il a pris pour tout le monde. Hein. Non, 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 non. J'ai pas découvert une planque. Ok, plein de santé déjà. Ok, ça m'embête. On va faire demi-tour. Parce que il y a forcément un truc où il y avait le robot. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Putain, je suis déjà paumé. Okay, c'est bon. C'est ça qu'il faut découvrir. Oh non, mais c'est la suite du jeu. Ok. Oh, fils de pute, putain, c'est pas possible. Putain, c'était gratuit, ça. Quoi? C'est tout? Ah. Ça pourrait être utile. Oh, merde. De porte. Ok, il se passe trop de choses, les gars. On va mettre ça là. Il se passe beaucoup trop de choses. Je sais pas où est l'aventure, la suite, les gars. On refait demi-tour, on va au bout du vestiaire, allez, c'est pas grave. C'est trop. Faut pas faire des suspens comme ça, les mecs. Parce que après j'ai des regrets. La logique voudrait que, level designement parlant, la suite ça soit là où je suis actuellement. Étant donné qu'il fallait esquiver le robot pour aller là. Là, c'était pour les... C'est pour les curieux. Donc j'ai été à un endroit accessible aux curieux. Mais par contre, what endroit? Oh, d'accord. Oh, j'aurais pu ramener le fusible ici. Putain, mais c'est terrible. Ah non, bah attendez, mais là, j'ai trop de questions. Ok, ça c'est de la santé immédiate. Ok. Des petits crédits. C'est quoi, c'est genre on trouve des billets de 10 au calme là? Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Rien faire avec ça. Sacré douche, hein. Ah! Ok. C'est pas possible. Ah non! Quoi? Quoi? Aïe! Aïe! Ah oui! C'est une belle fin d'épisode, je trouve, non? Je ne sais pas vous. Écoutez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Pardon. Pardon. J'ai le droit de me faire attaquer direct. Pardon.
Mais quoi? Mais non, mais attendez, laissez-moi comprendre ce qui se passe. C'est quoi ce délire? Ouah, le jeu va pas être facile, hein. Viens par ici, cowboy. Il est temps qu'on se la donne vraiment. C'est pas possible! Mais il met... Ouah! Ouah, ça va être dur. Les amis, le jeu va être dur. Les amis, le jeu va être dur. Je vous le dis. Le jeu va être très très dur. Oh. Allez, c'est parti. Ça me met au challenge, les gars. On s'abandonne pas tout de suite, finalement. On s'abandonne pas tout de suite. Viens par ici, cowboy. Non, non, non! Meurs. Wow. Quel merdier. Contrôle de sécurité. Oh, il faut une arme là. Hein. Ok. Un peu de santé pour les braves. Un peu de santé pour les bras. Car c'est le seul moyen de grandir. De devenir la meilleure version de nous-mêmes. Verrouillage, verrouillage. Le changement peut être difficile. Mais il est nécessaire. Il y a trop de choses, les amis. Il y a trop de choses et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouvera ici. Je vais prendre le fusible. Et retourner dans les vestiaires, me venger. Souvenez-vous que je me suis fait soulever, tristement. Et je peux vous dire que j'ai beau être matinal... Eh ben, j'ai mal. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. A bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde! Bye bye.